Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Humankind avec le signe noir. Comment vas-tu le signe? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va super, je vois le rose dans le brouillard. Mikene. Et visiblement, ils sont un petit peu en mode vénère, hein, les roses et tout, donc. Excellent, et j'ai choisi, devine quoi? Et ben, à cette ère-là, les Khmers? Les Khmers, ils sont balèzes, hein. Les Mongols aussi, hein. Dans les deux cas, c'est super balèze. Je vais choisir les Anglais. Juste par esprit de contradiction, bien sûr. Parce que j'ai pas trouvé de bons trucs au niveau science. Et la seule façon que je pourrais avoir de snowball un peu, c'est de monter ma population assez rapidement. C'est ce que je me dis. Voilà, je n'ai que 4 villes sur 5, il faut donc que j'achète des villes rapidement. Hop là. Ça c'est pas ouf, mais d'un autre côté il serait coincé, hein, donc moi je suis un peu dégoûté parce que je m'étais reculé sur mon territoire pour pouvoir transformer un guerrier en épéiste. Et ça me coûte 68 de le faire et j'ai 67,6 de thunes. T'es mauvais, Jack. Ouais, c'est con, hein. Mais on va quand même lancer le combat et il recule en plus. Ben, parfait. M'attendais pas à ce qu'il recule, il était un peu plus fort que moi. Mais très bien, recule du coup. C'est ton plus 1 en force. Non, non, même avec ça, j'étais à 83, il était à 88. Mais j'avais des archers, il était dans un goulot d'étranglement, donc tactiquement je le pouvais gagner. Mais peut-être que l'IA a envisagé ça, c'est tout à fait possible, hein. C'est très possible. Alors là, on fabrique ce truc-là. Niveau bouffe, on est à moins 10 quand même, hein. Les barbares, on Pas peut prendre leur ville rien qu'en les défonçant, quoi. Je suis pas obligé de payer en influence à chaque fois. Bah si tu les pilles, ça les fait disparaître, je crois. Après, tu peux reposer un avant-poste, quoi. Oh bah voilà, on va faire ça, c'est tellement plus simple. Pourquoi s'emmerder? Bah je crois que tu t'emmerdes quand t'as besoin de prendre la ville, quoi. Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'intéressant. Ici, du coup, on a dû se replier parce qu'ils étaient en masse, mais on va revenir en force. Hein. Et oui, car ça y est, j'ai déclenché la guerre, Slan. Je ne te l'ai pas dit, peut-être. Non. Moi, je suis en train d'essayer de monter un petit peu mon influence. Je viens de passer à presque 200 par tour. Moi, je suis un assez lamentable 61, il faut dire ce qui est. Je dépense 800 pièces d'or pour améliorer une école. Moi, je fais trop de science en fait. Je suis très très bon en science, mais c'est pas de science dont j'ai besoin. Attention, parce que la science, c'est vraiment un trompe-l'œil. C'est pratique pour les unités, mais alors pour les villes, si tu peux pas produire derrière, tu développes des technologies que tu vas pas exploiter. Ça te Ouais, sert pas à grand-chose. c'est pour ça que je vais arrêter de mettre des gens dans la science, du coup. À part tout à la fin, quand tu débloques des trucs, genre plus 50% d'industrie sur toutes tes villes, plus 3 villes, ça c'est des trucs qui font plaisir par contre. Mais on est assez loin de là quand même, hein. Là on est à 5 sur 5, là on est à 6 sur 6. Bien, alors. On va se calmer un peu sur les quartiers aussi parce que la stab mine de rien ça pique un peu, hein. Eh ben, la stab, si tu la contrôles pas. Ça serait bien. Hop. Bah si, la stab en fait ça va quoi, mais au bout d'un moment ça pourrait aller un peu moins bien, on va dire. Ici, on a un 12. Ouais mais non, mais j'avais un quartier d'industrie qui était top là. On va le faire là. Bon, j'ai combien de troupes au total alors? Ah mais le tour est passé, putain la vache. 16. Du coup, je pourrais les amener là-bas pour attaquer lui, plutôt que de le payer stupidement. Hercule, très bien. Mais il peut décider de m'attaquer au prochain tour. Hein. I am listening. I'm listening. Ouh, c'est beau. Ah, il est pas content. Il est pas content, il est pas content. Tant pis pour lui. J'adore la forteresse anglaise quand ça te dit que quand tu la mets là, tu vas faire 39 de bouffe. Ouais,
Et oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, la forteresse anglaise elle compte comme un quartier agricole, et ça c'est pas banal ça. Elle compte comme un quartier agricole et elle fait de la stabilité. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. La bouffe, quand t'as besoin de bouffe, c'est un des trucs qui me pose le plus souci, mine de rien, moi. L'un dans l'autre. Ou on pourrait dire que c'est aussi la prod, hein, parce que si je pouvais fabriquer mes quartiers plus vite, bah ça irait plus vite aussi, mais. Et là, alors là par exemple, si je disais je veux fabriquer alors de la bouffe. Toi. De la bouffe, ça va être tout naze. Mais oui, là du coup, ça c'est quoi? Ça c'est un quartier agricole, ça c'est un quartier des fabricants. Mais je les exploite pas encore. Non, moi je l'ai acheté la ville. T'as acheté la ville? Ouais. Comment ça t'as acheté la ville? Bah la ville qui était à côté de moi, je savais pas quoi en faire, je l'ai acheté. Ah oui, le... Pardon. Le neutre. Je comprenais pas le concept d'acheter la ville. Excuse-moi, j'étais pas dedans. Ouais, c'est pas une priorité tout de suite là. Qui c'est qui fait rien? Toi tu fais rien, mais t'es un peu faible pour l'instant, tu vas quand même aller par là. Vu qu'il y a des rivières partout autour, s'ils veulent attaquer, il faudra qu'ils soient sur une rivière. Et tu vas attendre les renforts de secondes. Hop là. Et hop. This emblematic unit is a symbol of pride and power for your empire. Let's hope they're worth the price. Ok. On vient de débloquer les éléphants. Par contre, je pense que c'est pas demain qu'on va les faire. Hein. Encore que. Mettons que par exemple je décide d'en faire un. Qu'est-ce que ça me coûterait? Pas grand chose en fait. Hein. Ça coûte quand même 2 pop à faire l'éléphant. C'est ça qui pique. Oh qu'il est idiot. Quoi? Oh qu'il est idiot. Il a attiré les pop dans sa ville. J'en avais pour 25 tours à le récupérer. À pouvoir le rattaquer, mais là, ça va aller plus vite. Pourquoi? Parce que ça dépend des pop? Ah non, parce que ça te fait un casus belli. Eh ben oui, ça m'a fait un casus belli. Il n'aurait pas dû. Ok, on va claquer une pop là, ensuite faire ça, ensuite claquer ça, ça va claquer 2 pop de plus. C'est 2 pop en fait, l'éléphant. Oui, une pour toi, une pour l'éléphant. Je refuse ces exigences. Oh, je peux améliorer mes archers en éléphant. Bah oui. Il suffit de les monter sur la bête. Bah, carrément. Tellement. Je vois pas ce qui te choque. Non, bah non, mais je ne sais pas pourquoi je suis choqué, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Soif de savoir ou fanatisme? On va mythifier, on va prendre les 25% de foi en plus. Je suis agraire. Oh, je peux attirer des pop. Ça coûte la peau des fesses. Ouais, ouais. Clairement pas le faire. Ça pique ça. On va faire la fontaine publique 5 tours pour faire ça après. C'est trop long. On va devoir gagner un peu de temps comme ça, tant pis. Peut-être le garder ce truc là. Bon, ça coûte la peau des fesses hein, de le. On voit personne ici. On va plutôt aller parler, on va passer par eux là. Je vais la garder cette ville. Allez, c'est parti. Oh, je te garde. On pourrait éventuellement aller piller un tour par là, coup par là-bas.
Alors par contre on va rester ici parce qu'on va vouloir replier cela assez vite. Tout là-bas si possible. Tirez-vous. Voilà. Alors. Ça c'est quoi ça? Ok, c'est une ville. C'est un truc comme ça, d'accord. Ah, il est en train de l'assimiler, d'accord, déjà. On dirait. La peuplade est déjà sous le mécénat d'un autre empire. Bon. C'est comme ça. Bien triste. Alors là, on va avancer. Ok, il y a une armée ici. 88. Alors, où est-ce que je vais construire la cité interdite? Je te préviens, pas la peine d'essayer d'y mettre les pieds. Moi, je fais rien, moi. Je suis quelqu'un de gentil. La cité interdite est interdite. Qu'est-ce que t'es agressif? Dingue, ça. Mais non, mais c'est une cité interdite. Non, mais je retiens. Tu vas pas me voir. Ah, t'es en combat contre le rose, déjà? Ah bon? Je sais pas. Oh l'autre, mais franchement quoi. Qu'est-ce que t'espères me faire croire? Hein? Apparemment oui, il m'avait attaqué. Il avait recruté des unités chez un barbare, puis il a dû vouloir bouger. Il t'a attaqué quoi. C'est vrai? Comme c'est tellement pas plausible. Mais c'est vrai, il m'a attaqué, il a voulu bouger son unité et il m'est tombé dessus. Ouais. C'est pas une guerre en tout cas. Hein. Le vert, il en est où? Ah bah je vais déclarer une guerre surprise. Bon, bah, quelle raison t'aurais de faire ça? 4 niveau 2. C'est une guerre surprise. Du coup, bah voilà, surprise. Peace. Attends, la bataille automatique là, il y a un truc qui cloche. Ah ouais, j'ai passé de troupes, je vais pas la gagner. Ah peut-être que si, 215 contre 63. Possible. Ok, prochain peut-être. Tour, on va pouvoir refoutre ça ici pour faire un petit peu d'argent. On cherche quoi là? Philosophie, ça nous permettra d'avoir une ville de plus. Par contre ça me paraît pas non plus une priorité. Ça va être chaud. C'est une surprise pour lui, mais c'est aussi une surprise pour moi. Il avait pas mal de troupes. Après comme d'habitude, il se met dans les rivières. Hein. Ah, et puis ses troupes, évidemment, il y en a la moitié, ça doit être des renforts, c'est ça? Ouais, la moitié s'est délevée. Il a deux javeliniers à 20, un guerrier à 20 et un Gaïsati, oui, donc il a pas de force. En même temps, tu as défoncé sa capitale. Même s'il a été assez malin pour te la reprendre dans le dos. Ah non, mais je l'avais reprise après qu'il me l'ait reprise. Et je lui avais volé pour de bon. Si je vais pas économiser pour pouvoir lancer un petit esthète là, faire un peu d'influence. Ah, mais putain, mais tu veux pas arrêter de disparaître, pop-up là? Sérieux? Si vous n'avez pas la plus grande influence sur le territoire. Ok, d'accord, mais bon, ça c'est pas un problème. Dès qu'il arrive à 100, c'est mort, tu peux plus prendre les trucs. De quoi? Dès qu'il arrive à 100, normalement, tu peux plus revendiquer la truc. Sans quoi? D'influence sur une... Ah oui, non, mais j'étais en train d'essayer de lire la description de mon affinité, là. Sauf que je mets la souris dessus et ça disparaissait dans les 2 secondes. Là, ça le fait plus, là, ça y est. Du coup, c'était un peu chiant à lire. C'est pas facile. Mais oui, non, c'est bon. Pas un problème, là, l'influence pour l'instant. Là. Ça y est, là, je suis en train de reprendre du poil de la bête là-dessus.
Même si c'est pas, ça va pas aussi vite que j'aimerais, qu'un petit esthète aiderait forcément. Ah, ça y est. Alors, ils ont ce fight là. Fightez-vous là, faites-vous plaise. Ramène des renforts parce que la bataille semblait perdue. Ou moins gagnée. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Babylonien, il continue de me pointer mes ressources de luxe, quoi. Alors qu'on est en guerre. Voilà. Ah, parce qu'il est intéressé par ça. Très bien. Alors, ici, ils sont deux. Putain, mais il y a peut-être un moment où il va arrêter de se replier tout le temps, quoi. C'est chiant. Vous êtes chiant, monsieur. Je tiens à vous le dire. C'est que tu gagnes du score de guerre à chaque fois, donc... Oui, je sais, mais en attendant... J'ai gagné une guerre entière comme ça sans rien conquérir. Et je lui ai pris des terres à la fin. C'est vrai que si je arrive à vraiment descendre son score de guerre, ça peut être cool, mais... Ouais, on peut se permettre de même enlever deux pop, là. Ça, c'est cool. Donc ici, on se rapproche. On est à 500... 581 qu'il faut, putain. Ah mais ça c'est une unité que je connais pas. Ah, ça doit être ceux qui sont là-haut là. Bon. Ouais bah là du coup ils arrêtent pas de gagner, de redescendre. C'est pas ça que je veux voir. C'est pas ça non plus, c'est avec eux. Ouais bon, enfin voilà, il est à moins 5 par tour, on va dire que ça va mettre un petit peu de temps à descendre quand même quoi. Pas tant que ça, quand tu vas prendre une ville, s'il va commencer à faire moins 4 par tour, en plus des moins 5 que tu lui feras régulièrement. Bah c'est un peu ça le problème, c'est que pour l'instant je peux pas rentrer dans son territoire parce que il a des groupes de 4 vachement proches, donc si jamais il me chope, il me défonce. Mais quand j'arrive à les attraper, bah ils reculent quoi. La rhétorique. Ok, ça on s'en fiche. Très bien, achète-moi des trucs, vas-y, fais-toi plaisir. Ici il doit y avoir un... Ouais, il doit y avoir un centre administratif quelque part. Bien. Ok, là on le fait reculer un peu, ça mange pas de pain. Ici on pille tranquillement pendant que les renforts arrivent. Après, les 1 ils m'attaquent, mais en même temps, visiblement ils commercent avec moi. Bah c'est des 1 quoi. Allez, ici, deux tours, on va pouvoir faire de la bouffe. Ça, c'est cool. Ça, faut le faire aussi. Ça, faut carrément le faire, ça, c'est quoi ? 3 de nourriture sur porc. Ok. Et pas pour le nombre de porcs que t'as fait ? Oui, je confirme. Ça c'est chouette un théâtre. Bon c'est pas mal. Un peu d'influence. Ah ouais tiens les théâtres c'est vrai ils sont où eux? Je les avais oubliés. Ah oui la rhétorique. On va aller chercher ça après. Ah je l'ai déjà. Oui je sais, t'as crié assez fort. Je suis en avance sur toi. On va mettre aussi un théâtre là, puis on va le payer. En même temps, t'as une heure d'avance si je ne m'abuse, toi. Oui, donc, ouais, je me sens pas particulièrement menacé. C'est vrai que ça me ferait bien de libérer ça, là. On dit au revoir. La chute des Celtes. Voleur niveau 2, putain t'es traître niveau 2 et voleur niveau 2 quoi. C'est pas moi. Si c'est toi. Je le jure. C'est carrément toi.
Je le jure, c'est pas moi. Non, je veux pas t'attaquer, toi. Hop là, on va mettre ça. Je viens d'asséger un barbare. Ok, bah, si oui, j'abandonne le siège, oui. Fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a des endroits intéressants pour faire de la bouffe? 8 ici. Bah, c'est énervé à tous les coups, oui. Ça. Il y a plein de barbares là aussi en même temps. Hein. Ils sont collants. Ils se mettent partout. Bon, alors. Et en fait, à chaque fois que t'attaches un quartier, ça monte le coût d'attachement du quartier pour les autres villes aussi. Ouais. Je me fais attaquer ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a ça et lui, il a quoi? Du guerrier. 4 guerriers, un éclaireur. Et il attaque quoi? Bah, je peux le défoncer. Hein. Bon. Alors, déployons-nous. Là, on a hop, quoi? Vous allez... Attends, parce qu'il attaque, il attaque d'abord, donc on va se détendre 2 secondes. Toi, tu vas aller là. Ça a combien de force? Ok, 24, ça m'a l'air bien. Ça, c'est 27, ça, c'est 16, ouais, c'est ça. Donc vous, vous allez rester là. Putain, il y a une rivière en plus. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Hop là. Et lui, là, ses guerriers, ils sont à 22. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît bien pour un. San Lorenzo. Beaucoup plus grosse. Toi, ah, un. Mais il a carrément plus de renforts que prévu. Je sais pas ce délire. Ah, d'accord, 3, il a vachement 4, plus d'armée. Bon, après, il peut pas beaucoup avancer non plus. Donc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des ruines à nettoyer. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est loqué? Waouh, putain, ça lag. Ok. Il faut qu'on fasse de la place. Voilà, j'ai une ruine quelque part, mais je sais pas où. No mercy. Et c'est super chiant parce qu'il faut faire toute ta map pour trouver la ruine. Normalement, ça apparaît en vert, non? Quand tu passes la souris dessus. Ah. Bon, bah, on oublie. On oublie. Alors, ça c'est un renfort, mais je peux pas... Ouais, elle est verrouillée parce qu'il y a une autre unité sur la case. Voilà. San Lorenzo, ça avance ou pas? Hop là. C'est pas mal. San Lorenzo, c'est combien? 1004 pour attacher ça, on va le faire. Ok, on pourrait les choper par derrière si on faisait ça, mais c'est quand même assez loin. Par contre, on pourrait toujours en sortir une par là. Ouais, c'est plein de trous chez moi. Peut-être que je conquiers trop vite en fait. Mm-hmm. Que des trous. Des trous. Y'a qui s'en plaindrait pas, mais. Sauf que moi, c'est. Toi, je t'achèterais bien parce que j'ai plein d'unités, moi j'en ai plus. Mais je peux pas. C'est déjà quelqu'un qui est en train de. Les Nazca. Ça me file. Ah, c'est les Celtes! Ah, bah les Celtes. Les Celtes, on s'en balance. On va investir. Je préférerais bien t'acheter plutôt que de te conquérir. Alors toi, tu vas être capable de tuer ça? Non, hein.
je pense que je vais pas pouvoir. On va diminuer un peu ça. Attends, y a tellement de rivières quoi. Vous avez reculé là-bas. Ça y est, je vois les apothèques. Ok, j'ai trois villes barbares à l'est de mon continent. Il est temps que je développe le rail. Le rail, quoi. Le mec. Bah oui, pour aller d'un bout à l'autre de mon territoire. Tu te rends pas compte, il me faut 25 tours. En bataille? Ouais, je suis sur une grosse bataille là, désolé. Oh là 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 là. Alors, on a la manche 3 donc ça va se terminer, mais. Alors ici. Tu vois que t'as réussi à les avoir? De quoi? Tu te plaignais de pas arriver à les choper? Ah bah c'est eux qui m'ont chopé là. Avec une armée deux fois plus nombreuse que moi. C'est pour ça que je dis que c'est une grosse bataille. Ouais, c'est une bataille de merde en fait. Bah ça dépend. Parce que même s'ils gagnent, j'ai quand même du potentiel de leur faire très très mal. Ouais. Ça c'est toujours satisfaisant. Tout à fait, c'est toujours satisfaisant. On va les laisser avancer là s'ils veulent me finir et avancer là. Bon, on va mieux te mettre ici, toi. Toi, t'as joué, hein. Oui, il reste que lui, mais lui, on ne veut pas le jouer. Je crois que je vais détacher ça. Voilà, ça se terminera au prochain tour. Je vais détacher et lui, il va venir plus là. Celle de Lorenzo, il va faire tout l'est en fait. Du coup, ça veut dire qu'il a probablement plus rien ici. C'est ça. Bim. Me demande quand est-ce qu'on va pouvoir commercer. Ah, il lui reste deux unités là quand même. Qui pourrait venir en renfort, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Hop. Debate and discussion are not the pastimes of the philosophie, but the actions of thinkers and movers who will touch every aspect of civilization. Alors attends, parce que je vais m'appuyer. Ok, il lance son tour direct. Il reste quoi? Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Intéressant, ça donne un bonus ça quand même. Allez. On défonce. J'ai ce qu'il faut. Allez, on va investir. Mon territoire devrait plus trop bouger pour un moment là. Il y a un moment où tu peux plus bouger aussi. Hein. Bah là, c'est Slark sans le bateau, ça va être compliqué. Ok, donc là, ils font leur malin. Donc toi, tu vas aller là pour pouvoir avoir un petit bonus. Quoi que je peux tirer d'ici. On va tenter. Si je viens là, est-ce que j'ai un malus? Ouais, non, je suis en hauteur, donc j'ai pas de malus, on est d'accord. Let's get up!
Ok, on est reparti comme ça, finalement. Bah non, tu peux plus bouger toi, tu peux terminer la manche. Sur terminer la manche. Alors, il va falloir qu'on se serve de nos archers là. Très clairement. Où est-ce qu'il va aller avec lui? Ah ça y est, c'est à moi de jouer. Petite ville de plus, d'accord. Ça pourrait que faire du bien. Il y a encore du monde ici. Bon, et ensuite, quoi? Ou alors... On va se faire les archers... les guerriers, pardon. Ça serait pas mal. Ah bah, je crois que c'est la première fois que je fais une bataille qui dure 3 tours, quoi. Ouch. C'est même pas sûr qu'on va la terminer, en plus, au prochain. Si je pouvais avoir ça. Ok, quoi d'autre? Ici, on pouvait bouger. Ouais, on va clairement faire ça. Si on voulait attaquer, on serait mieux là-bas, hein. Très clairement. Ouais, là-bas, du coup. Ah non! Ça y est, je les tire. Voilà. Toi aussi, t'es en combat? Non, pas du tout, pourquoi? Non, je sais pas, t'es en mode ça y est, je les tiens et tout, hein, je me demandais du coup. Non, mais en fait j'ai rien à faire. Ah, mais non, hein, on est des synchro. Oh, on est des synchro. Ah, bah on va au synchro avant. Re-synchro. Ouais, on a arrêté l'épisode là, je pense. Hein. Ouais, mais on resynchronise d'abord. Ouais, je suis d'accord. Voilà, et comme enfin, ça on peut dire au revoir à tout le monde pendant que ça resynchronise. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et merci de nous avoir suivis.